Oh, comme je l'espère. Comme je l'espère. Ma sœur, il faut absolument que je vous dise. Quoi? Quand vous serez rentrée chez vous, ma sœur, ne le faites pas, je vous en prie. Je vous en prie, ne le faites pas. Mais quoi donc? Ne prononcez pas ces vœux, les définitifs. Ne le faites pas, je vous en prie. Je n'ai jamais aimé ni rien ni personne jusqu'ici. Je n'ai même jamais vécu encore. Pas vraiment vécu. Avec mon cœur. Alors, c'est pour ça qu'il faut que je vous demande de m'épouser. Je peux veiller sur vous. Pas seulement ici, mais pour le restant de notre vie. Il fallait que je vous le dise absolument. Alors, dites-moi s'il y a une chance, hein? Je ne voudrais pas vous offenser, croyez-moi, mais... Il y en a une? Non, monsieur Allison. Voyez-vous, j'ai déjà donné mon cœur à notre Seigneur. C'est comme des fiançailles ou quelque chose comme ça? Oui. Voici l'anneau. Quand j'aurai prononcé les vœux définitifs, j'en aurai un en or. Une alliance. Oh, je ne savais pas. Je ne savais pas que ça se passait comme ça. Je crois que j'aurais mieux fait de ne pas parler. Eh ben, je vais aller vous préparer votre canière. Toujours rien de nouveau. De nos gars, je veux dire. Mais vous pensez qu'ils vont venir tout de même? Il le faut. Ah, bien sûr. On ne sait jamais avec cette drôle de guerre. Monsieur. Oui, monsieur Allison. Je devais avoir perdu la boussole hier soir. Il ne devrait jamais se marier, Marine. C'est pas loyal pour sa famille et pour son arme. Il y a une des deux qui en pâtit. Tenez, avant une attaque, le gars se demande... Qu'est-ce qui vaut mieux être? Un mari mort ou un mauvais marine? Les deux qui devient. Même en temps de paix, le mariage vaut rien. Un marine bourlingue à travers le monde. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des tas de tentations. Alors, vous savez ce que c'est? Vaut mieux pas être lié. Rendez-moi un service, ma sœur, vous voulez? Faites comme si je l'avais pas ouverte. Certainement, monsieur Allison. Bon,